autre forme d'expression, moins controversée celle-ci. Il y a quelques semaines, nous vous parlions dans ce journal d'une exposition, Les Mains de l'Espoir, réalisée par des enfants à l'initiative de l'artiste Amsi Boubekker. Le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que cette exposition a fait son chemin, puisqu'après l'avoir visitée, les élèves de l'Institut Sainte-Marie à Saint-Gilles se sont eux aussi mis à la gouache sous l'œil averti de l'artiste, afin de réaliser un chemin de la paix, Thierry Legrand et Régis Derat. Une centaine d'élèves de l'Institut Technique Sainte-Marie à Saint-Gilles réalisent depuis quelques jours des dessins sur le thème de la paix, la tolérance et l'espoir. Cette initiative est née de leur rencontre avec l'artiste Amsi Boubekker, instigateur du projet Une main pour la paix, par le respect des cultures. Une visite d'exposition d'Amsi Boubekker sur les mains d'espoir. C'est un petit peu par hasard que c'est venu. On a eu l'occasion de rencontrer l'artiste et en parlant avec lui, le projet a germé de contribuer à sa grande ronde pour la paix. À travers ces collages, ces dessins au pastel, les jeunes artistes veulent ainsi montrer que quand on leur laisse l'occasion de s'exprimer, ils sont capables de donner une image positive de la société. J'ai dessiné quelqu'un qui priait pour espérer un monde meilleur, où il n'y aurait plus cette différence de race considérée par les gens. Par ses mains, je représente l'union des races. Alors ici, il y a une personne de couleur qui embrasse une personne européenne, enfin du type européenne. Et donc pour essayer que les gens comprennent qu'il faut déjà pouvoir se... que les gens puissent d'abord se supporter, quoi. Je suis occupée à faire un travail sur la paix. J'ai représenté l'Asie, par exemple, ici, parce que j'aime beaucoup ce pays et je trouve que leur mentalité est très bonne de ce point de vue-là. Quand on parle du Dalai Lama, etc., on pense à la paix, la tolérance, etc. Donc c'est ça que j'ai voulu représenter dans mon dessin. J'ai symbolisé la paix en adjointant deux mains comme ça jointes et en dessinant la terre de l'intérieur, quoi. Toute la terre pour les unir. Et j'ai recopié la phrase, le slogan de la manifestation. J'ai recopié, j'ai fait comme si c'était des nuages qui regroupaient tous les pays qu'on sent, quoi. Ils veulent réaliser un chemin de la paix partant de leur école pour rejoindre l'exposition Amsi Boubekker à Molenbeek. Ainsi, si vous vous promenez cette semaine le long du boulevard Le Monnier, vous pourrez apercevoir plus de 200 dessins affichés aux vitrines des différents magasins. On serait tenté de croire que les...